Faute. Raconte. Oh, merci à la première personne connectée. Bonne année, mes impactés. Je suis fatiguée, mais quand même, je dis, il vous faut un petit bonne année. Ouais. L'impacté, c'est fatigué. On a eu une grosse nuit. Oh, Vanessa aussi, ma Juju, comment vas-tu? Comment allez-vous, mes impactés? C'est pour vous souhaiter joyeux. Ça dit que temps des fêtes, bonne année. Hey, Ayo, Lauriane Bayrou, Ayo. Ayo à tout. Je ne sais pas si c'est à tout ou bien si c'est Nia. Je pense que c'est à tout. Ayo. Toi, coucou, c'est moi. Toi et moi, on a réglé pour nous en famille. Je ne suis pas pressée. Hey, ça, le visage est fatigué, vous voyez là-haut. J'ai dit que le show. Vraiment. Hey, merci beaucoup. Bénédicte Goma, bonne année. Bonne année. C'est pour souhaiter bonne année vraiment à tous ceux qui sont connus. Hey, Tremblay, ma chérie. Ouais, comment vas-tu depuis Ottawa? Hey, merci beaucoup. Super fan. Merci. Merci. Il dit que je suis fatigué même. Aujourd'hui, la copine à moitié, tu es fatigué. Mais il dit que l'année ne peut pas se. On ne peut pas rentrer dans l'année. Quoi? On ne peut pas rentrer dans l'année. Et puis, je n'ai pas vous souhaiter. Bon, tu ris. Grâce divine. Pour rire. On va régler. Pour toi et moi, ce n'est pas compliqué. C'est en famille, on règle ça. Tina, comment vas-tu, ma chérie? Tu vas bien? L'Amazon AO, comment vas-tu? Bonne année. Merci beaucoup. Je suis là pour vous. Qui a dit que je l'ai oublié? Julia, c'est Seka. Non, maman, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas. Ok. Le nom Seka me dit quelque chose. Il n'y a pas de problème. Si c'est dans le WhatsApp, je vais répondre. Maman, deux jours, il y a trop d'alcool. Donc, ça fait que on n'arrive pas vraiment à faire. Maïka épouse Cissé. Hey, ma soeur, madame Cissé, est-ce que c'est toi depuis Paris? Comment vas-tu? Je suis là pour souhaiter bonne année. Je devais faire ça le matin, mais vous savez que décalage horaire là, c'est pas pareil. Vous êtes déjà réveillé, nous c'est maintenant on se réveille, il faut préparer. Le roi lui dit qu'il n'est pas dans les grillades là. Il dit tu peux faire tes grillades, mais arrange-toi moi pour me faire ce que j'aime. J'aime deux choses, Blakali et Foufou. Il dit ah Foufou là, j'ai trop mal au bras, toujours Foufou, je suis fatigué. Il dit ok donc. Bon, même tu as dit que Foufou, non mais Blakali vers la fin là aussi là, tu as tourné le bras aussi. Tout ça, mais bon, bref, tout le monde a eu son plaisir. Wendy, elle ne mange pas Plakali, elle ne mange pas tout ça, donc les fruits de mer avec le reste. Oh, vraiment. Maman, je n'ai pas oublié quelqu'un. Oh. En tout cas, c'est pour souhaiter bonne année à tout le monde. Pourquoi? Mise en faveur, tu n'es pas contente. Pourquoi tu n'es pas contente, ma chérie? Pardon, on n'a qu'à régler. Tout ce qui... Hey, tout le monde dit que j'ai oublié Achille à tes vies. Pourquoi j'ai oublié? Hey, maman. Donc aujourd'hui seulement, là, j'ai fait à Talakous d'abord. Eh, pardon. Une année de santé. J'ai dit, sous les Sanogo, dans fatigue là. Oui. Dans fatigue là. Hein? Maman. Maman, le bout de ça. Maman. J'ai dit que hier là. Direct bande quand il est venu de faire hier, il est venu de faire ça là. C'est l'alcool à gauche, à droite. Oh, vous avez vu, j'ai mis une petite vidéo bête là, il est venu de danser là. 19h déjà, on n'a pas vu dedans. Quand je me suis réveillé, il était 1h du matin. J'ai dit, papa, il est 1h du matin, on n'avait pas fait prière. Il dit, mais où sommeil t'a pris là? Toi, tu as fait prière où? Je me suis réveillé, j'ai pris un jus frais au frigo. Et puis bon, c'est ça. Mais j'ai partagé, je suis là pour vous dire merci. Je suis là pour vous dire merci. Oh, Michou. Pardon, ma chérie, on va se réconcilier. Pardon, maman. Pardon, toi-même, tu sais que si je suis ta personne, on nous attaque de partout. Vous dites que. Elle dit que je l'ai attaqué quelque part. Pardon, ma chérie. On va régler ça. Je te demande pardon, Michou. Faut pas te fâcher. C'est pardon. Si tu viens pour me dire ça ici, ça veut dire que tu es ma personne. Tu es ma personne. Pardon, faut pas te fâcher. Faut laisser. Ah, maman, tu es ma personne. C'est ça, elle te demande pardon. Joignez-vous à moi, on va demander pardon à Michou Faveur. Elle dit que je lui ai parlé mal quelque part. Je ne veux pas lui parler mal. Je ne veux pas parler mal à mes personnes. Je suis là pour demander pardon. Pardon. Pourquoi tu es fâché? Y a assez? Hey, Molière de Magistère. Wendy dort. Elle dit maman. Hey, tu vois comment les choses de Dieu sont bien.
Papa, Molière est là. Molière, Wendy a dit, maman, je veux que tu fasses la paix, Molière. Je veux que tu demandes pardon. Ça dit pas demander pardon, mais il faut pardonner. J'ai dit que, ah, Molière qui est là, il faut le laisser où il est là-bas. Elle dit, maman, moi, je ne sais pas. Mais tu as le fond, hein, Molière. Oui. Wendy, Molière est là. Viens, viens faire un coucou à Molière. Les abonnés, lancez des cœurs pour Molière, on fait la paix. Wendy est là. Fait, tu avais dit ça, non? Ouais. Tu dis, maman, oui, c'est le 30 décembre. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour Molière? J'ai dit, ah, j'ai réfléchi. Parle à Molière. Dis quelque chose pour Molière. Quand là, je parle la petite timide, là, on se connaît ici. Dis quelque chose à Molière, passe ici. Tu dis que, ok, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Est-ce que je mens? Non, c'est vrai. Il a dit, il dit que bonsoir, c'est Molière de Magistère. Tu vois comment c'est cute, le voilà qui est là. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu, hein? Ah bon. Molière, c'est la nouvelle année. Oh, Molière, on va laisser Wendy. Oui, on se rappelle même ta phrase où tu avais dit assis à Wendy. On prend ça pour rire ici. Mettez les cœurs, mes impactés. Mettez les cœurs. On est dans la nouvelle année. Il y avait quelque part où on a dit non, nouvelle année, c'est hypocrisie. Nouvelle année, on peut laisser tout ce qui s'est passé. Puis on part avec de nouvelles. Molière, on laisse tout ce qui s'est passé. Hé, Angela Koufo, maman, je suis parce que quand toi, je te vois plus. Mon impact est te voit plus. Hé hé, la 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 la. Molière, par là, ben fini. C'est Dieu qui t'a envoyé. Par exemple, on cherchait petit moyen. J'ai dit, hé Molière. Molière. Oh. Vous là-bas. Bonjour, grande sœur. Le petit Amine, vous vous rappelez de moi. Amine, pardon, mets-moi dans le bain. Tu sais qu'actuellement, là, on boit les vins, les bières à gauche, à droite. Molière, c'est lui avec lequel il y a eu les problèmes, tout et tout. Sur ma page, on a eu des problèmes. La colère l'avait pris, moi aussi, tout et tout. Laissez tout ça là. Aujourd'hui, là, Molière est sur mon direct. Il a dit que c'est lui qui est là. Nous-mêmes, moi aussi, je suis contente. Hé, là, 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 là. Merci beaucoup, mes impactés. Merci, vous êtes là tranquille. Toi, tu es blanc. Eh, pardon. Michou, il faut laisser ça. Aïe. Tu sais que c'est ton. Vous savez qu'on est sous pression. Où vous nous voyez comme ça là? Oui, on fait du blog, mais derrière, t'attaques de partout. Tu sais plus c'est qui est bien pour toi. Maman, si elle était attaquée, que tu n'as pas aimé, elle te demande pardon. Michou, c'est vous qui avez fait qu'on dit aujourd'hui l'impacteuse. Il n'est pas trop bu, hein, depuis matin. Attends, qui a dit, hey, maman, tu as trop bu? Là, tu es trop busy. Oui, Angela, je suis busy, mais toi et moi, on est ici. Je t'ai même donné le numéro direct, non, Angela. Donc, tu peux, toi, tu as mon fixe, Angela Koufo. Donc, tu peux me joindre, mais je ne te voyais plus. Tu comprends? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on est ensemble. Voilà. Je suis là aujourd'hui vraiment. Mes impactés, mes personnes, je suis là pour vous dire merci. Merci beaucoup. Je suis occupé par le travail. C'est pas facile. Tu es venu saluer un peu mes impactés. Ça, c'est mon bon petit. Mon bon petit. Vous vous rappelez de mon bon petit, non? Constant. Bonsoir. Ah. Salut. Oui. Prenez soin de vous. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Ça, c'est mon fils qui est là. Tous mes petits trucs. Quand je l'appelle, il est toujours présent. Oui, maman, c'est mon fils qui est là. Mon fils qui travaille à Moukou Abidjan, là. Qui est là. Qui a fait le jardin, là. Il est toujours prêt pour moi. Il est prêt. C'est un bon petit, hein. Quand il est venu, le roi l'a fait asseoir. On lui a dit, oh, ça, c'est causerie des choses. Le roi l'a fait asseoir. Le roi lui a dit, ma pomme n'est pas compliquée, c'est la pomme la plus gentille. Même si tu veux, faut pas faire ton lit, faut partir au travail. Elle va ranger derrière toi, elle n'a pas de problème avec ça. Manger, que tu veux manger, tu lui dis. Mais son seul problème, les débats de soumission, vous avez au pays là. Si tu es rentré dans un débat comme ça, toi tu es pour soumission. Mon petit, tu sais que, ça dit, tu as mis du sable dans ton attique. Ce qui est sûr, elle va tout faire pour toi. Tout ce que, même si ma femme n'a pas de problème. Mais en fait, toi, tu es pour la soumission dans sa maison. Mon petit, il faut laisser le débat là. Si elle rentre dans soumission à toi là, il faut dévier ça. Ça lui donne même pas ton avis ou bien tu passes à côté. Mon petit, si tu as respecté ça, tu vas vivre tranquille. Hein? Et puis il a compris. En fait, je suis pour soumission. Une fois, une belle soumission. Ici, il n'y a pas ça ici. Elle ne veut pas ça. Quand elle m'a connu, le premier dit qu'elle n'est pas dans. Il m'a dit, quand il m'a
dit vraiment la maman, un jour il m'a dit, maman, vraiment tu es trop gentille avec moi. J'ai dit, mon petit, moi il n'y a pas de problème. Mais venir faire affaire de, je suis pour soumission dans ma maison, si mon petit, si tu as fait ça. Le roi lui a dit, si tu as fait ça, Kamalde, il va se garder entre vous. Il a respecté ça. On dit, les chelis, il a deux pas de nous ici, on est tranquille. Oh, bonne année. Hé, hey, Jeanne Soko, ma grande soeur. Oh. Papa. Chérie Coco. Papa. Oui. Tu sais que toi et moi, on ne peut pas parler nous deux dans la même pièce. Ta voix est forte, moi aussi. Oh, ou bien c'est toi qui te déplaces, ou bien c'est moi qui me déplace. Si tu veux, moi, je vais me déplacer. Non. Hein, tu te déplaces. Ok, c'est correct. Voyez là, c'est mes impacts qui sont à l'honneur. C'est ta fille ici. C'est qui? Mais c'est Cassie. Ah, il est sali. C'est Cassie. Voici madame là-bas. Mais c'est Cassie. Eh bien, il est sali. C'est Zoku. Zoku. T'as la première. Zoku. Eh, comment ça va là-bas? Zoku. Hein? Il va parler bêtis. Ah, dis quoi, Zoku, hein? Il va parler bêtis. Ah, cheveux, toi, est devenu blanc comme ça. Hein? Maman est venue au secours. Je crois qu'elle est vieux comme ça. Nia, béi, amen, nia. Hé hé. Tu es là-bas. Ouais. Oui. Pelle Yayasi. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout. Hé, hey, la gomati Balou. Merci. Vraiment. Mmh. Vraiment, je suis là pour vous souhaiter bonne année. Mmh. Que Dieu exauce vos vœux respectifs dans vos, ça dit que dans vos vies, dans vos familles, tout ce que vous désirez, que Dieu vous aide à les réaliser. Mmh. Qu'il ne vous laisse pas comme ça. Moi, tout ce que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, oh, quelqu'un m'a envoyé des étoiles. Eliane Marcel, merci beaucoup. J'ai dit à Dieu, je te demande la santé pour réaliser ce que j'avais commencé en 2020. Je te demande la santé. Merci beaucoup, Pelle Yayasi. Merci. Je suis des deux côtés. Je suis pas là. Je n'aime pas les femmes qui écrasent les hommes. Je n'aime pas les femmes qui écrasent les hommes. Je suis des deux côtés. Si les gens ont compris ça là, ils ont compris l'impacteuse. Il y a mes bons petits, il y a mon petit à Québec, c'est lui la mère. Moi, c'est moi qui ai dit à ma femme de t'écouter. Mon petit, souvent tu suis mes directs. Il m'a dit, c'est moi qui ai découvert tes vidéos. Et puis, il a dit à ma femme. Il dit, écoute cette femme-là. Elle met son mari en haut, mais il y a certains choses qu'elle dit qu'elle n'est pas dedans. Il a dit, là, c'est mon bon petit. Quand sa femme même m'écoute, il m'a dit vraiment. Donc, c'est ça. Oh, moi, merci beaucoup. Eh, Mawa, tu es là aujourd'hui. Maman, elle est là aujourd'hui. Je l'ai vue. Je l'ai vu, oh, je l'ai vu. Ça, c'est ma soeur, ça. Hein? Merci beaucoup. Oh là là. Oh là là. Oh. Attends, il prend doucement, doucement, aujourd'hui. Pajira Beni, bonne année à toi. Bonne année à tout le monde. On a une chanson dans mon dialecte, on dit bonne année Irubari de Giozumo. Non, comment on dit? Bonne année Irubari de Gio Poupouezumani. Bonne année Irubari de Gio Poupouezumani. Bonne année, comment la longévité n'a qu'à arriver, c'est ça qui est chanté là. Yvette Grogueux, Ayounia. Oh, vraiment. Merci beaucoup, c'est pour vous souhaiter bonne année. Oui, vraiment, tout ce que je vous demande. Oh, oh, elle dit glorieuse année, Monica. Oh, 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 il y a quelqu'un qui m'écrit de Seattle. Merci beaucoup. Idriss Ndoye, comment vas-tu? Oui. On n'est pas ici pour faire Django sur les autres. Eh, eh, Biki la Duchesse est sur mon direct. La Duchesse, comment tu vas? Aïe, là, tu es en solo, comment pas? Elle n'est pas là, hein? Elle est au pays là-bas. Donc, là, tu fais la belle vie. Il a appelé Dani, mais Dani, on dirait qu'elle est là. Son réseau est coupé, donc elle ne m'a même pas répondu. Amadou So, comment tu vas, mon frère? Bonne année. Zabson Fusena, je salue tous mes impactés partout, partout, partout. En Afrique, au Burkina Faso, depuis le Cameroun, au Niger, en Côte d'Ivoire. Je vous salue là-bas. N'oubliez pas, le pain de l'impacteuse.
quand ça va sortir avec la photo de l'impacteuse, ruez-vous là-dessus, mais n'oubliez pas, j'ai ma marque déposée. Oui, c'est ça, il faut, je vais préciser ça dans toutes mes vidéos. Oh la mère, Coco, la mère là, la mère, comment vas-tu? Confinement fait qu'on ne peut pas sortir. Oui, c'est ça. Donc, ce pagne-là, vous aimez l'impact. On dit la petite direction pour dire bonne année, tout et tout. Vous êtes là. Quand vous allez voir que le pagne va arriver bien, je vais m'arranger. Comment le dispatcher un peu dans les autres pays, soit au Bénin, au Burkina, un peu partout. Au Cameroun aussi, où j'ai beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Je vais m'arranger. Comment essayer de l'envoyer là-bas? Payez-le. Les fonds, oui, c'est vrai, j'ai investi. Donc, quand même là, je ne peux pas dire que je vais tout mettre dedans, mais je vais aider aussi les enfants de la rue. Après ça, toutes les cérémonies dans votre entourage, si des gens veulent faire des uniformes par rapport à une cérémonie, n'oubliez pas que j'ai l'impacteuse Wax, qui est ma marque déposée. Donc, je peux fabriquer d'autres pagnes avec d'autres motifs qui n'ont forcément rien à voir avec le motif que vous avez vu. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Oh, Amine Mahamat, oui. Mahamat, depuis le Tchad, bonne année. Oh, vraiment, mettez-vous ensemble toujours pour demander pardon à Michou Faveur. Pardon, faut pas te fâcher, maman. La santé, la santé. Je viens de parler à ma belle-sœur, elle n'est pas trop en santé, ça m'a inquiété un peu. C'est la santé. Le reste, c'est tabataba. Oh, c'est gentil. Oui. Vraiment, si vous avez si vous avez des affaires que vous voulez me proposer, quelques petites modifications que vous voulez que je fasse, vous pouvez me dire ça là, tout et tout. Oh, c'est gentil. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci, vraiment. Bénédicte Yel. Yek, Bénédicte Yek, bonne année. Awa Koulibaly, bonne année à toi. Chris Issa, on t'aime très fort et on attend le pagne à Abidjan. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oh, le pagne va arriver. Hein, ma photo, vous allez voir ça. Ça, c'est là, comme j'ai appelé ça. Ça, c'est le pagne maison mère. Maison mère, c'est ça. À partir de là, on peut. Ouais, c'est pas du Niam Sélé. Les conseils de cette année. Bon, les conseils, oui, toujours c'est ça. Moi, je suis là pour l'épanouissement des couples en Occident, un peu partout. En cas de donner la place aux hommes qui méritent ça. Il a tout dit ça. Il a jamais dérogé à la règle. Donnons la place aux hommes. Les hommes qui méritent, en cas de donner ça. Les hommes qui méritent. On dit non, quand un homme te donne là, tu peux lui donner soumission. Ah bon? Donc ceux qui n'ont pas là. Garçon qui est moisi, on parle d'insoumission. Ça dit, c'est ces mentalités-là. Moi, je suis contre ça. Parce que nous, on a commencé avec garçon de galère. Voici pourquoi moi, j'ai dit zéro soumission. Hein, un homme qui a parlé comme ça. Hein, tu veux que la femme te donne soumission, mais toi, tu fais quoi pour elle? Ah ouais? On va donner soumission à un homme, pas il donne l'argent. Mais non, nous on ne peut pas aller dans ce genre d'idées là. Pourquoi moi y aller là-bas? Il n'y avait pas là-bas. Moi j'ai dit qu'on discute dans le couple. On discute. Pas, il n'a pas nécessairement raison. C'est ça. On parle de ça, on dit non. On veut plus de conseils cette année. Laisse les Niam Sélé. Ok. Maman, j'ai vu de ça. Hein? J'ai vu, hein? Bon, Djomimo Youssouf Diallo, comment vas-tu? Bonne année à toi. Que Dieu te donne tout ce que tu désires, mais la santé d'abord. Et puis, oh maman, j'ai raté son mot. J'ai entendu la vieille. Il dit, tu n'as pas une grande fille. Il n'y a pas une grande fille, oh. Il n'y a pas de grande fille. Il n'y a pas de grande fille, si. Il dit, t'as pas... Stéphane le Zangalais, oh là là. Maman, prenez la paix, oui, Amadou. Moi, je m'aille maintenant sur ce côté. Oui, j'ai pas le choix. Où on n'avait pas prôné la paix, qu'est-ce que ça a donné? Où on a encouragé les enfants d'autrui, là, ça m'a pas donné quelque chose. Les gens sont, c'est resté comme ça. Oh, donc, maintenant, on s'en dans le sens de la paix.
Aïe, Tichel Fleur, la communication. Hmm? La communication, il a dit que dans le foyer, il n'y a pas Django. C'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas Django. Il n'y a pas Django dans le foyer. Hmm? Il n'y a pas Django, mais où on veut dire que non, on va te donner la soumission, parce que tu as l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui galèrent, qui font quête quête avec leur femme là, eux ils ne méritent pas. Mm-mm. Oh, Marie Gentiliba. Réussite à Wendy, merci beaucoup. Hmm. Wendy qui est là, là, quand il y a la caméra, elle fait comme si elle est timide. Elle fait ta-ta-ta. Il dit toi. Vous avez vu ce qu'elle. C'est ça. Merci beaucoup. Marise, c'est gentil. Ah, la communication, hein. Hmm. La communication. Moi je suis pas la partie du film où on a tombé sur les hommes, toujours, hein, tomber sur les hommes. Hmm, il ne tombe pas. Moi, mais si dans mon frère, mon mari, il y a des choses souvent, il dit, et puis bon, je ne suis pas trop d'accord. Après, il regarde, il dit, ok. Et ça, qui va dire que quelqu'un qui a dit que tout le monde fait bras de fer, souvent, on n'est pas dans le foyer pour faire bras de fer, garçon, ici. Mm-mm. Moi, en tout cas, moi, vous avez remarqué, moi, je ne fais pas bras de fer à quelqu'un. Mm-hmm. Je ne fais pas bras de fer. Bras de fer va m'emmener où? Ça va pas m'emmener quelque part. Mais. C'est les frappeurs de femmes, moi je suis pas avec eux. Je suis pas avec les frappeurs. Oh, merci. Merci pour les cœurs. Aminata Sanogo, comment vas-tu? Ok, Faveur Michou. Faveur Michou, j'ai la région. Et c'est pas ce qui me. C'est. Est-ce que c'est mon petit là? Mon petit. Tout et tout qui doit venir à un moment là. Je sais que c'est toi. Comment tu vas, Mim? Ma, ouais, c'est toi. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci. Catherine Hello, merci. Ah, beaucoup de tolérance, hein. Faut tolérer. Faut tolérer. Si on t'a trompé, qu'on n'a pas mis foutaise sur toi là, il faut laisser. Hein, je vois des femmes, hein, tu as laissé ton mari. Mais si mon mari m'a trompé et puis il a dit non, pion, je ne vais pas le laisser. Il m'a trompé. Et il m'a trompé dehors. Et puis il a dit non, pion, je m'en fous de toi. Mais je n'ai plus de valeur. Mais s'il m'a trompé et qu'il fait kété, il fait. C'est-à-dire, il y a des discours souvent, tu vois des femmes qui prononcent ça. Tu te dis, mais attends. On a trompé. La personne, on a trompé là, c'est la personne qui a fait pitié. Moi, tu m'as trompé, c'est moi qui ai fait pitié. Toi qui m'as trompé, c'est toi qui dois faire pitié. C'est ce que moi j'ai dit. Tu m'as trompé. C'est toi qui as fait pitié. C'est toi qui as quête là-bas. Tu as cherché les gens pour me demander pardon. Mais on m'a trompé, on ne me demande pas pardon. Vous dites que non, les femmes, il pleut partout. Moi, c'est ce discours-là. Moi, je suis contre ça. Hey, comment tu vas? Samuka Bamba, comment tu vas? On t'a trompé, on dit non, Pion. Et vous dites que non. Faut pas indiquer non, aucune femme ne doit laisser un homme qui la trompe. Mais si on m'a trompé, qu'on ne me donne même pas la valeur qui me revient, vous voulez que je fasse pitié? Hmm? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous dites non, il pleut partout. On m'a trompé, on m'a abandonné dans la maison, on s'occupe plus de moi. On regarde celle qui est dehors là-bas. Vous voulez que moi je dise oui? Non, mais c'est ça. Il a dit que Jay-Z a trompé Beyoncé. Ce qu'il a dit à Beyoncé, puis elle lui a pardonné. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Un peu. Quand, non, si elle finit, je vais mettre encore. Alors que je n'ai pas fini. Et Baka, Nadja, je n'ai pas fini ça. Je n'ai pas trop boire pendant que je suis en train de faire un direct. Un seul verre, ça me suffit. Vous comprenez? On n'a qu'à valoriser tout le monde dans le foyer. Autant toi, mon mari, je te mets en haut. Mon mari dit que, ah chérie, d'accord, ton réseau social, moi, je ne peux même plus sortir. Ou j'arrive quelque part, on me reconnaît. On a une soeur aujourd'hui dans le quartier. J'ai fait placali, j'ai dit, ah, je dois envoyer à ma grande soeur. Puis je me suis rappelé, il dit, ah papa, il faut qu'il envoie manger à la grande soeur. Comme on fait au pays, là, 1er janvier, nos mamans préparent, puis elles envoient. Même si on ne peut pas se voir, il dit, c'est vrai. Une impactée, tenez-vous bien, qui dit, elle vend dans mon quartier ici, elle vendait les condiments. Elle est venue devant ma maison déposer ça. Son mari a dit à mon mari, il n'y a pas de problème. Quand on est un des frères, on vient te déposer ça. Donne-nous ton adresse. Elle vient, elle reconnaît ma maison dans la vidéo. Maman, on ne peut pas se cacher. Elle dit à son mari, mais ça là,
cette maison me dit quelque chose, elle plaque de ministère, tout et tout là. Ça, c'est pas chez l'impacteuse. Son mari dit, c'est moi, je suis l'impacteuse. Qui est l'impacteuse? Dis non, il y a une Ivoirienne qui parle là, elle est au Canada, on dit c'est sa maison. J'ai dit que mon impacté m'a reconnu. En venait, elle venait des boules préparées, avec une autre boule déjà décongelée, c'est ça, elle fait tout et tout. Elle a dit à son mari, est-ce que vous êtes le mari de l'impacteuse? Mon mari a dit oui. Là, je suis sortie, elle est saluée, comment tu vas? Oh, merci. Mon mari dit, on peut plus même, je ne peux même plus me cacher. Moi-même, je suis discret avant. On me donne ma place. Mais on ne donne pas la place à d'autres femmes. Hein? Des hommes font de tout ce qu'ils veulent à d'autres femmes. Et vous voulez que nous, on va encourager ça. Moi, je ne peux pas encourager ça. Moi, je ne peux pas encourager. Pourquoi y encourager? Mais je suis contre les femmes qui font la discrimination sur les enfants dans les maisons. Mmh. L'enfant de ton mari est dans la maison. On arrive dans la maison, on sait que tout de suite, ce n'est pas son enfant. C'est-à-dire, on sait que ce n'est pas ton enfant. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Ma maman, vous avez vu, j'ai mis sa photo. Et puis, j'ai mis sa photo. Vous avez dit, Yako, Yako. D'autres avaient pensé que c'est ma maman qui m'a accouché. Ce n'est pas ma maman qui m'a accouché. C'est une maman qui a pris soin de moi, la femme de mon papa. La maman de mes frères. Elle tripante, tu arrives à la maison. Hein, maman Élise, elle aime français. Notre maman qui parlait français est partie. Quand tu arrives dans la maison, tu n'as même pas savoir que ça, ce n'est pas l'enfant de maman Élise. Elle mettait tous les enfants au même plan. Moi, cet esprit m'a grandi. Mais on arrive dans une maison, on sent que ce n'est pas l'enfant du monsieur, tout et tout. Moi, je suis contre ce genre d'esprit-là. Tous les enfants doivent être traités de la même façon. L'enfant de ton mari qui est dans la maison, tu le traites au même titre. On ne doit pas rentrer dans la maison, puis on va discriminer. On sait déjà que ce n'est pas l'enfant du monsieur, c'est pas l'enfant. Mais ce comportement, nous les femmes, on a ça. Hein. Je vous ai déjà dit ça dans une vidéo. Hein. Les femmes, on a beaucoup ça. Quand ce n'est pas notre enfant. L'homme là, il peut t'accepter, il va accepter tes enfants, il prend les enfants même bien, tout. Les hommes ont leurs défauts, ils connaissent ça. Mais il y a des côtés où quand l'homme t'aime là, l'enfant que tu as eu avant lui là, lui il prend ça, il coupe ça. Mais les femmes, souvent quand on rentre dans les maisons, on sent que l'enfant qui est là, souvent des enfants sont timorés dans des coins, tout et tout. Arrêtez ça. Moi je suis pour la justice, je suis pour la parité homme-femme. C'est ça qui est là. Bonne année à tout le monde. Élise Aoré, bonne année. Aminata Sanogo, bonne année. Bonne année mes personnes. En tout cas, partagez le direct. Parce que ce qu'elle dit dedans, c'est important. Ah, ce sont les meilleurs. Je dis qu'à elle, comment tu vas? Michou, je dois appeler Michou le soir là. Mais quand Mini va arriver, il faut qu'il l'appelle. Ah, c'est toi qui m'envoyais les trucs de British là. Ah, oh. Oui. Merci beaucoup. J'ai dit Karine Gassoué. Merci ma soeur. C'est ça. Moi je suis là pour prôner toutes ces valeurs. C'est toutes ces valeurs là que j'ai prôné toute l'année. Il a dit que l'homme qui te frappe, tu te sens menacé, tu appelles la police. On m'a détesté pour ça. Comme si ce qu'elle dit c'est mauvais. Il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'y a pas ça pour que des hommes, quand ils vont penser, ils vont voir ma vidéo, là, ils vont se rappeler. Ah, si tu es trop fâché, femme, la bouche, la parle. On parle. Nous sommes les grandes parleuses. Mais quand on a mis bas sur ta bouche, là. Comprenez? Est-ce que c'est la vérité? Moi, je suis là pour vous dire. Par où ailleurs, où on vous avait dit, non, c'est quand les hommes, tant on a mis les hommes à un sommet. Tout et tout, nous on écoute beaucoup de messages. Tu veux? Ah bon, d'accord. Romuald, comprenez? Il n'y a pas que des enfants soient. On arrive dans une maison puis, et on dit que non, ça c'est l'enfant du monsieur. Dès lors que les enfants sont dans ma maison, ce sont mes enfants. Même si ce sont les enfants de mon mari, ce sont mes enfants. Peut-être c'est ceux qui ne savent pas, ceux qui savent que moi j'ai un seul enfant, c'est eux qui savent. Mais on ne doit pas savoir, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de différence dans la maison. Tous les enfants doivent être traités au même niveau dans une maison. Non, on va traiter, toi ton enfant est un bébé chou, papou chou, maman, ton enfant a tous les jolis noms. Et puis l'enfant de ton mari, quand tu veux l'appeler, c'est un tendu. Moi je suis contre ces pratiques-là, vous connaissez ma mentalité. Non. Mais je suis contre ça. Maman, ah ouais, je suis contre ça. Je suis contre ça.
On maltraite d'autres enfants. Faut pas maltraiter. Ben, l'enfant que tu as accouché peut ne même pas te rendre service. Ma maman qui est décédée, il y a des moments, je ne l'appelais pas. Comme je vous ai dit dans mes vidéos, hein, j'ai été malade au Canada pendant des années, sur des années. Je ne l'appelais pas, mais quand je l'appelle là, elle dit, le jour que, c'est pour ça que le jour qu'on m'a annoncé son décès, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Pourtant, ce n'est pas elle qui m'a accouché. Maman, elle dit, ce n'est pas elle qui m'a accouché, j'ai ma mère qui vit. Mais quand je l'appelle, elle ne peut pas dire, oh, tu ne m'as pas appelé il y a longtemps. Dès que je l'appelle, Monia, comment vas-tu ma fille, hein? C'est ma maman, elle aime parler français. Hein? Vous connaissez les mamans bêtées qui aiment français là. On l'appelait maman français. Quand elle venait à la maison, votre maman qui parle français, c'est quoi on l'appelait? Elle dit, Monia, comment tu vas? J'ai dit, ah maman, je suis gênée, ça fait un moment. Elle dit, ma fille, c'est pas grave. Aujourd'hui même, tu m'as appelé là. Déjà, j'ai la bénédiction. Aujourd'hui, tu m'as appelé seulement. Ça dit, quand elle m'a dit ça, la honte tombe sur moi. Mais elle dit, maman, faut me donner un numéro où je vais t'envoyer un peu d'ici 2 semaines. Et c'est comme ça. Donc quand mon frère m'a appelé le matin pour me dire que sa mère est décédée, mon cœur a serré, mon cœur a saigné. J'ai dit Covid, tout est mélangé. Sinon, il devait même aller à des funérailles. Donc les enfants de vos maris, là, traitez-les bien. Pas pour qu'ils vous reconnaissent comme leur maman. C'est pas toi qui l'as accouché. Parce que quand on élève un enfant, il ne faut pas le détourner de sa vraie mère. Tout ça, là, je vous ai donné des conseils. Oh, Michou. Pardon, je sens que tu as été choqué. Michou, je vais te rejoindre. Ok, je vais te rejoindre, Michou. Là, je vois que c'est sérieux. Je vais te rejoindre. D'accord, j'ai compris, ma chérie. Dès que j'ai fini avec le direct, là, je vais te rejoindre. On va arranger ça. Comme maintenant, je t'ai reconnu, tout et tout. Pardon. Parfois, on est attaqué de part et d'autre. On est attaqué de partout. Merci. Vous comprenez? Mon bonne année, c'est ça. Que Dieu aide chacun avec la santé à pouvoir réaliser ce qu'il veut. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pierrette Amani, comment tu vas? Ouais. Et dans tous ces conseils-là. Moi, je suis étonnée souvent quand les hommes me voient au corps. Quand je vais au shop là, je suis souvent obligée de me déguiser, porter mon truc, mon chapeau. Dieu merci, en hiver, on nous reconnaît. Mais des hommes me reconnaissent ici à Montréal. À l'impacter, ma femme te suit, hein, mais elle m'a envoyé une de tes vidéos, tout et tout. Il y a un et... Oui, sur l'autisme, hein, qui est méconnu en Afrique. Ah, c'est vrai. Quelqu'un a demandé à mon mari, mais est-ce que tu as écouté la vidéo de ta... Un homme, hein? À mon mari, tu as écouté la vidéo de ta femme. Mon mari dit qu'elle fait vidéo chaque jour, je n'écoute pas. Moi, je quitte au travail, j'ai fini de faire Bella des gens là-bas. Je viens le matin, quand je rentre le matin, à 7h30, bah, moi, mon mari rentre ici à 8h30, 9h. Il dit qu'elle est bien maquillée, tout autour, j'ai compris qu'elle a fait vidéo. Vous croyez que quelqu'un qui étudie, qui fait temps plein, moi, il allait écouter toutes ces vidéos, je n'écoute pas. Il dit qu'il n'écoute pas ces vidéos. Mais il a dit, ta femme a fait une vidéo qui m'a touchée sur le compte conjoint. Cette vidéo-là, vraiment, elle m'a touchée. On n'est pas devenu de la même ethnie avec nos hommes. Tout et tout, on investit dans leur village. C'est pas le même. Il dit au roi, toi tu as ton village et mon village. Mais si on s'en construit chez toi, ça veut dire qu'il sécurise. Sécuriser n'est pas mauvais. Elle s'est sécurisée là. Ça a dit que les fêtes sont arrivées. Elle dit, toi, tu dois envoyer là la vieille. Tu dois envoyer là ceci. Tu dois envoyer tout et tout. C'est ça. Merci beaucoup. Dis bien. Merci. Oh, Michou, merci. Viens régler ça. C'est ça. Tu l'as dit. Tu prends une bouteille? Non. Hein? C'est ça qui est là. L'Oréal Bayero, aïe à tout. Toi, il sait que tu es un atout. Mais je suis allé au poil avec ton profil. Une fois, il sait les profils. Mon mari a dit, tu as fait vidéo sur, comment on dit ça, sur compte conjoint. Il a dit, oui, ça c'est une vieille vidéo. Il dit, ah, j'ai un frère qui m'a dit que ta vidéo l'a touché. Il dit que ta vidéo l'a touché. Il dit, ah, quelqu'un a dit, non, c'est pas faux. On a dépouillé des veuves comme ça en Afrique pour rien. Tu es le monsieur, tu as vécu tout, on dit non,
Le monsieur n'est plus, on dit non, on ne te reconnaît pas, on vient, on prend tout. Mais tu es au Canada, tu investis. Le monsieur investit dans son village. Lui, il investit tout là-bas. Hein, mamie, tu es couchée dans la neige. Et puis tu dis non, c'est correct. Hein, pour parler que quoi, c'est correct. Hein, c'est correct, mais le monsieur a douf maintenant. Toi, tu as pris quoi pour te sécuriser? J'ai dit que nos parents au village là-bas, là, quand le papier vient de chez les Whitey, que c'est écrit, ils ne savent pas lire, hein, mais quand on lit pour eux, ils comprennent. Donc, de quoi on vient me parler? Hein? On vient me parler de quoi? Que non, les villageois ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Mais quand c'est quelqu'un qui a lu pour eux, là, quelqu'un a bien lu ça, ils ont compris. Ils vont dire, dans mon vidéo, on dit, ah, oh, comme moi, il bah, oh. Ah, d'accord, le blanc a parlé. Le blanc, c'est quoi? C'est le papier qui a parlé. On vous donne les conseils, vous dites quoi? Merci beaucoup, Gassim. Merci. Mouktara Gassim, merci. Non, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. On fait attention sur les réseaux sociaux. Hein? Non, moi, il veut mousser, il ne me lâche pas. Mon ancien vin, là, c'est là-bas. C'est qui est là-bas? Est-ce qu'il est encore dedans? Hein? Yana, c'est moi qui s'il te plaît. Eh, hey, du bien, mon fils Alexis, moi, comment vas-tu? Présentez-vous, hein. Vous avez des faux profils, je ne vous reconnais pas. Après, voici une de mes impacteuses très très fortes. Oui, une de mes impactées, pardon. Non, Matilari, c'est la vérité, moi, je dis. Mais bon, quand tu dis trop la vérité aussi, ça dérange. Noël Caboret, comment vas-tu? Le Burkina Faso, ça c'est le bastion de l'impacteuse. Avec le Cameroun, ouais. Ouais. Coco, tu sais que Molière est venu sur le direct. Ouais, Molière est venu, on va se réconcilier. Matisse là. En tout cas, c'est notre artiste. Hein? Non, non, pas l'artiste, j'ai mon Molière qui est au Cameroun. Angela Koufor, c'est ça. C'est ça. Tu as compris, c'est la vérité, il dit, oh. Vous êtes dans une famille recomposée, sécurise-toi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Merci beaucoup, Ben le pouvoir. Sécurisez-vous. Mais je ne sais pas pour que non, on traite les hommes. On s'est dit non, on est en Occident, donc on va maltraiter les hommes. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Les femmes qui sont rentrées dans mon inbox, dès qu'elles commencent le discours, il dit que toi, tu es les femmes dont on parle sur les réseaux sociaux. Il a dit ça à une. Elle m'a dit l'impacté. Pourquoi il parle? Il a dit toi. Hein, au Québec ici, hein, elle m'a appelé. Pla, 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 elle a comment parlé. Quand elle a fini, il a dit toi. Tu es les femmes dont on parle sur les réseaux sociaux. Hein? C'est quand tu entends m'expliquer. Tu crois que c'est le discours qui est là? Le monsieur t'a une fois frappé. Elle dit non. Il crie. Il dit et puis crier, c'est quoi? Le roi qui est là, c'est un grand crieur. Qui l'écoute? On ne l'écoute pas. Crier. Il a dit qu'il peut crier s'il veut. Si tu vois qu'il crie là, ma chère, toi tu donnes ton dos. Mais toi tu viens me dire que non, c'est comme si, c'est comme ça. Mais il y a des vies dans ton discours. Elle-même a dit, ah, l'impacté, tu as raison. L'impacté aussi, tu as les directs. Comment tu parles dans la vidéo, c'est quoi tu parles vrai, vrai. Elle dit, mais c'est quoi elle parle? Moi, je ne suis pas contre les hommes. Hein? On dit, mais elle valorise son mari, elle méprise. Il a dit que je suis contre les hommes qui frappent les femmes. C'est tout. Et puis, soumission, il n'est pas te donner. Il ne te donne pas soumission. Vassolet de Suisse, merci beaucoup. Oui, Jung, oui. Oui, ça t'avait touché. Ok, moi aussi. Moi, c'est réconcilié, oui. L'homme n'est rien. L'homme est quoi? L'homme n'est rien. Ouais. Il dit comment tes abonnés quand ils parlent pas, ils parlent pas. Il dit tout le monde. Il parle, c'est un parleur. J'ai mes défauts. Je n'ai jamais caché. Moi, je connais mes défauts. Il dit je suis une femme très propre de nature. Mais c'est désordonné. Je vous ai dit cette même vidéo, vous avez ri. Je suis propre. Comme a dit de mes mamans, qui a dit ma fille, je suis venue chez toi. Parce que tu parles plein sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelqu'un ici rentré dans ta salle de bain là?
J'ai touché en haut pour voir s'il y a poussière. Ma fille, quand on dit femme est propre, tu es propre. Dédé. Mais c'est désordonné. C'est moi tout, papa. Tu n'as pas vu où j'ai dit, hé, prends ton temps. Il est fatigué de chercher à un mois. Papa, j'ai déposé mon truc ici. Ma brosse pour mes cheveux là. Il dit, est-ce que moi j'ai cheveux sur ma tête? Et puis tu me demandes ta brosse. Maintenant, au moins, quand même. Quoi ça? Pour le soir là? Hein? C'est le même réchauffé là. Il y a poisson, la braise, il y a tout dans le frigo. Mais dis, j'ai mon défaut. Qu'est-ce que je me laisse ça? Je cherche mes choses, je cherche. C'est moi tout. Moi, on voit même elle est fatiguée de ça. Elle dit, maman, elle dit, maman, je suis tannée de ça. Je suis tannée. Elle m'a dit ça un jour, père. J'ai dit, Kala, j'ai besoin de vie. Mon rouge à lèvres. Elle dit que maman, moi, je ne mets pas de rouge à lèvres. J'ai dit, oui, tu ne mets pas, mais tu peux m'aider à chercher quand même. Elle dit, mais maman, je suis tannée. Tu es toujours en train de chercher tes affaires. Dis-nous, c'est deux. Hein. J'ai appelé pour annuler mon pièce. Vous venez la vérité, il n'y a pas de souci sans défaut. Mon défaut, c'est qu'il y a le désordre. Mais mon désordre, ce n'est pas dans ma cuisine. Mon désordre, c'est dans ma. Dans chercher mes rouges à lèvres, dans la chambre. Où j'ai porté tel habit là. Je vais reporter encore où j'ai mis ça. Merci pour ceux qui m'ont donné les étoiles. C'est le défaut des parents de certains. Moi, j'ai fini depuis. Moi, j'ai dit, maman, excuse-moi, mais je suis fatiguée un peu de courir après. Elle me l'a dit. C'est mon grand défaut, il est cité. Je vais partager mon petit direct. Mais impacté, je suis là pour vous parler. Et sur les autres chaînes privées avec papa. Je suis là pour vous dire. NCI là. NCI là. Papa, tu as quitté où tu étais, tu es revenu. Donc il faut baisser le ton. Hein, parce que toi et moi, on est dans la même pièce. Non, c'est juste que toi et moi, on ne peut pas parler ensemble dans une pièce. Si tu veux, moi, je peux changer de pièce. Oui, donc moi, je peux changer de pièce. Ça va passer de l'autre côté. C'est pas par là beau. Lui, on peut pas, lui et moi, on ne peut pas parler dans la même pièce. Il m'a aidé dans la chambre des invités. Moi, je vais parler à mes impactés pour leur dire qu'ils ont la valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lui, il parle fort, il parle. Lui et moi, on parle fort. Donc, nous deux, on ne peut pas parler dans la même pièce. C'est pas parlable. Est-ce que je ne me suis pas déplacée? Est-ce que je l'ai dérangé? Elle commande son mari. Vous avez vu, je l'ai dérangé? On ne peut pas parler dans la même pièce, nous deux. Donc, il a dit, bon, quand il parle au téléphone, moi, je vais dans l'autre chambre. On parle. Vous êtes là, on vous a dit la vérité. Vous ne voulez pas la vérité. Moi, je suis là pour dire la vérité. Merci pour les cœurs. Il a dit qu'il est fatigué de rester dans la chambre. Il pensait que mon direct allait être 15 minutes, mais le direct est long. J'ai dit, ok, je comprends. Ah, tu es à Québec. Stéphane, les Anglais. Donne-moi... Donne-moi une chose. Parfois, je vais vous mettre, je vais vous faire les branchements. Mais vous qui êtes ici, vous êtes bloqués avec les femmes au pays. Les femmes au pays aussi, elles pensent forcément que c'est les Whitey. Je dis non. Vous comprenez? Aïe, mais il veut baisser le ton. Lui et moi, on ne peut pas parler dans la même pièce. Lui, il parle fort. Il dit, chérie, baisse le ton. Aïe, c'est pas mauvais. Quelle foutaise. C'est pas foutaise. Il a dit qu'il ne peut pas, lui il veut se mettre à l'aise. Je suis venu dans l'autre pièce. C'est ça? Vous comprenez? Merci beaucoup, Patricia Animel. Merci beaucoup. Non, mais c'est ça. Mais quand on dit à son mari, baisse d'un ton, ça veut dire diminuer la voix, c'est du français. C'est pas mauvais. Lui et moi, on ne parle pas au téléphone dans la même pièce. Ceux qui me connaissent, quand ils parlent, ils disent, maman, j'ai passé dans l'autre pays, je suis bien en train de parler au téléphone. Elle dit, c'est pas compliqué aussi. C'est pas compliqué. Merci beaucoup pour les 200 étoiles. Voilà. Combien de minutes ça fait, même? Je ne sais même plus. Il n'y a pas enfant. Il n'y a pas bébé ici. Amber and Donk Obama. Il n'y a pas bébé.
Wendy ne s'occupe pas de moi. Tu veux qu'elle m'occupe d'elle comment? Elle a 14 ans. Elle s'occupe pas de moi. Il y a des jours, je lui dis, ah, viens, on va se coucher ensemble. On va jaser un peu. Elle dit, maman, ça c'était avant. Je partais dans ta chambre. Maintenant, je m'occupe. Pourquoi tu veux que je vienne dans ta chambre? Elle s'occupe plus de moi. Tu comprends? Voilà. Je suis là pour vous souhaiter bonne année. Une bonne année à mes amours. Lauriane Bayrou. Toujours présent sur mes directs. Quand je réalise, vous voulez qu'elle vous fasse croire que non, je parle toujours doudou, hein, mon mari. Il y a des gens qui dégament. Je suis une dégameuse sur lui. Il dégame aussi sur moi. Voilà. Occupe-toi de moi, mon mari. Hey, la gogne, baby. Ah là 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 là. Pas besoin de brancher, je suis chargée. Non, mais c'est ça. Vous voulez qu'elle vienne dire que non. Lui, on ne fait pas parlable. On fait parlable. Mais maintenant, on ne fait même plus parlable. Quand Wendy, on a fait un truc 30 décembre, on s'est parlé. Wendy a dit waouh, j'ai remarqué que maintenant, le ton a baissé. Maman, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu fais plus attention. Tout et tout. Ah, ok. Près de 30 minutes. Ok, c'est bon. Je suis venu vous dire la vérité. Je suis venu vous dire ce qui était naturel. Tout et tout. Je vous ai dit qu'on peut avoir un homme auquel on ne donne pas soumission qui va vous aimer. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ça. On ne donne pas soumission. Soumission, ça dit je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis est mauvais. C'est très mauvais, grave. Et puis il dit oui, comme c'est mon mari là. Bertha Oku, Ayounia. C'est ça. Moi, je suis contre ça. Mais, il y a des fois, il parle. Toi, tu n'es pas trop sûr. Et puis, bon, tu laisses. On va arriver devant. Et vous voulez que je vous donne un exemple? Vous voulez que je vous donne un exemple? La douleur de mon cœur. Il m'a demandé pardon pour ça. Quand on est parti acheter la voiture de 2020, hein, pareil, celle que j'ai, c'est en 2021. La CRV 2021. Quand on est parti acheter, il a dit, oh, ceux qui me suivent au début, j'ai déjà fait ce témoin. Pareil, moi, je ne suis pas une menteuse. Mes témoins, je les répète. Il a dit, oh, chérie, la voiture est trop chère. Même si c'est aux 2 semaines, moi, je trouve que la voiture. J'ai dit que, mais c'est la voiture que j'aime. J'ai toujours rêvé d'une Honda. Je veux une Honda CR-V 2020. Il a dit, quand le concessionnaire, le monsieur des concessionnaires nous parlait, il nous expliquait les options. Comment il faut prendre une voiture, comment on dit ça, une voiture en location, une voiture. Comment on appelle ça, acheter. Mais les options étaient là. Le monsieur nous expliquait clairement. J'ai dit que le roi était barricadé. Le monsieur parle, il le tacle. Le monsieur parle, il le tacle. Aïe. Aïe. Le monsieur, il a dit quelque chose. Moi qui attire. Il a dit, très souvent, on explique aux immigrants les avantages qu'il y a en une voiture en location. Mais vous êtes fermé, donc on ne perd pas le temps. Donc, moi, tout de suite, ça a attiré mon attention. Par exemple, dans mon entourage, là, tous les whiteys avec lesquels je suis ici, ils m'ont dit leur voiture, ils l'ont pris en achat-location. Donc, j'ai compris qu'il y a un avantage. C'est que vous ignorez les whiteys, là, dans leur pays où on est venu les trouver, ils sont plus wise. Ils sont plus intelligents que nous. Vous comprenez? Donc, le monsieur nous explique, il le tacle ici. Par exemple, il ne voulait pas qu'il prenne la voiture. Attends, lui, il a pris une petite voiture sport. Il parlait de sa voiture. Oui, j'ai pris ma petite voiture. Et l'entra. Voiture, là, il a pris ça dans la main de quelqu'un. Voiture, comment elle lui fait les misères. Moi, il était là, il regardait. Oh. Quelle est mes chéris? La voiture, là, mais ça fait 3 ans déjà. La voiture, comment elle fait les problèmes? J'étais là, il dit, va prendre une voiture neuve. Il ne m'a pas écouté, pas en tout. Il est parti, il s'est cassé la gueule. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que, oui. Et écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi les affaires de soumission de temps? Le monsieur explique. Il tacle le monsieur ici. Le whitey nous explique. Il tacle le monsieur. Maintenant, j'étais oublié de dire, papa, on va écouter le monsieur. Le monsieur a dit, vous savez quoi? Ben, je vais aller prendre un café. Tout et tout, madame Z, est-ce que vous voulez un café? Monsieur, vous voulez? Il dit, non, je veux pas un café. Je dis, oui, moi, volontiers. Je voulais un café. J'ai pris mon café. C'est comme ça que... Quand le monsieur est sorti, je lui ai dit, tu sais quoi? Ce que le monsieur a dit là, moi, ça m'intéresse.
Donc, je veux que tu laisses le monsieur, il va parler. Il dit ok. Donc, quand c'est comme ça, il croise ses bras et puis il met sa tête là, il penche sa tête comme ça, sur un côté là-bas. Moi aussi, il m'en foutait. Moi, j'écoutais le monsieur a fini de parler. Bref, j'ai pris la voiture. Mais quand on prenait la voiture, le monsieur nous expliquait une option. Il y a une option que vous pouvez prendre la voiture. Au cas où on vous vole la voiture, au cas où vous faites un accident grave, où la voiture c'est une perte totale, mais vous sortez indemne de la voiture, il y a un montant qui vous revient. Est-ce qu'il voulait que le monsieur m'explique? J'ai dit, mais papa, c'est qu'il entend, on ne sait jamais. Ah, toi tu aimes trop dépenser. On m'avait bloqué. Pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est mon mari. Il ne veut pas qu'il parle de ça, mais il veut pas de ça. Oh, vous qui êtes dans soumission moutonnier là, soumission où on vous a dit, soumission est meilleure, je vous donne un exemple de soumission. Je ne voulais pas l'embarrasser devant le vendeur. J'ai dit, monsieur, mon mari n'est pas trop d'accord pour cette option-là, donc on va laisser. On a volé ma voiture. Vous avez vu ici, hein, on avait volé ma voiture. Mais moi, j'étais passé derrière lui. Je vous donne le secret aujourd'hui. Je suis passé derrière lui. J'ai dit, monsieur, l'option que vous m'avez proposée là, est-ce qu'elle tient encore? Il dit oui, elle tient. Si vous voulez, pour que au cas où on vous vole votre voiture, vous allez vous retrouver au moins avec un 10 000 à 15 000 dollars dans votre poche. Vous m'écoutez, les moutonniers de soumission, c'est à vous de chanter et parler. Hein? Il a fait en mode Bouddha. Merci beaucoup. Young Zenga. Lorian Bayro. Moi, l'impacté, je suis celle qui allait. C'est lui que je l'ai preuve. Il est là-bas, il m'écoute, il attend au salon. Salon, hein, il entend. J'ai appelé le monsieur derrière. J'ai dit, monsieur, hier, on a pris la voiture, c'est vrai, on a signé. Mais est-ce que l'option, vous m'aviez dit, c'était comme un 3 dollars de plus. Est-ce que c'est encore valable? Il dit, oui, madame, c'est valable au cas où on vous vole une voiture. On vous vole la voiture. Vous avez une perte totale là-dessus. Mes amis, quand on m'a volé la voiture, moutonnier, pas tel le direct. Les gens qui sont la soumission. Ah, nana, soumission. Vous ne vous demandez pas, mais pourquoi cette femme-là, elle est contre la soumission. Et puis son mari même est assis là. Et puis elle dit, elle est contre soumission. Et puis lui, il est d'accord. Vous ne vous posez pas cette question, hein. Où on vous a dit que soumission est bien. On va donner soumission aux gens qui nous donnent l'argent. Et puis on va être contre. On va pas donner soumission aux garçons qui nous donnent. Moi, je suis contre ça. Je dis que moi, c'est zéro soumission. C'est ce que vous avez dit. Je vous ai dit ça en 2019. Je vous ai dit ça en 2020. Je vous ai dit ça en 2021. C'est ce qu'il a dit. Merci pour les étoiles. J'ai fait mon option. C'est mon nom qui est là-bas au Canada. Si c'est ton nom qui est là-bas, là, on s'en fout de ton mari. D'ailleurs, on nous appelle par le nom de notre nom de famille. Le monsieur m'a dit, ok, madame, on a rectifié. Il m'a dit, bon, au lieu de 200 et quelques dollars que vous payez aux deux semaines, vous allez payer telle somme. C'est comme ça que, quand on a volé la voiture, Dieu, le Dieu qui est en haut, il n'est pas Gaou. C'est dans sa main qu'on a volé la voiture. C'est dans sa main. Si on avait volé dans ma main, il a dit, je m'en fous. Mais c'est dans sa main. Il a pris la voiture. Il est parti au travail. Il sort du travail. Il ne voit pas la voiture. Il dit, chérie, c'est pas bon. Je dis, parle-moi, fais de l'humour. Même quand c'est chaud, on fait humour. Mettez-moi le cœur. Partez le direct. Hein? Il dit, chérie, c'est pas bon. Je dis, comment ça? C'est comment? Il dit, chérie, la voiture. Je dis, tu as connu quelqu'un? Il dit, non. Je dis, quoi? Il dit, ils ont volé la voiture. Je dis, quoi? Ils ont volé la voiture? Il dit, oui. Je dis, ok, calme-toi. Tu as appelé la police? Il dit, oui, j'ai appelé la police. J'ai dit, ok, si tu as appelé la police, ils vont venir faire... Est-ce qu'il n'y a pas de caméras dans les environs? Il dit, non, il dit, quand c'est quoi, il bégait maintenant. C'est non, c'est oui. Je dis, il faut te calmer. Parce que moi, j'ai déjà sécurisé. Où on avait dit, je prends la décision pour mon mari. Derrière lui, moi, j'ai sécurisé pour moi. Pardon le dire, ça vous plaît. Ben, on est arrivé sur un autre. Vous comprenez? C'est comme ça. Lui, il était maintenant perdu. Il s'est dit, j'ai empêché la fille de prendre la partie où on avait parlé de vol. De quoi, mon Dieu, comment il a fait? Il dit, je suis futur, la fille femme bêtée là-haut. Chaque jour, elle va... Mais il a vu que quand il est rentré,
Il n'avait plus de voiture. J'ai mon frère ici où j'ai préparé pour envoyer à sa femme là. Il a appelé. Il a dit ok, il vient le chercher à Montréal. Donc il est parti le chercher. Tout et tout. J'ai dit, le roi de lui, il était foin comme ça. Il était comme, bon, ouais, quand tu as gâté quelque chose à l'école primaire. Papa, c'est pas grave. Il dit, mais chérie, le monsieur là, maintenant il se rappelle. Il dit, mais le monsieur avait parlé. J'ai dit, papa, faut rentrer. Déjà, tu n'as pas blessé quelqu'un. Attends-moi, mon pied est sur caillou. Mon pied est sur caillou. J'ai dit, tu n'as pas blessé quelqu'un. Quelqu'un n'est pas mort, quelqu'un n'est pas blessé. Chérie, faut rentrer dans lieu, pas que tu sois comme ça. Il est là. Chérie, là, il se fait petit. Les hommes, quand ils ont gâté, ils sont plus graves que les femmes. Il était comme ça. Moi aussi, mon pied était... Moi, j'avais déjà appelé le monsieur derrière toi. J'appelais le monsieur derrière. Pas dans le direct. Pas on rit, mais je vous mets dans l'humour. Niambeï. Amounia. Je dis, j'étais sirène. Il a dit que, oh, chérie, la voiture de ma femme... Ça va, et maintenant il fait, lui, il pense, lui, il fait, mais là pour apaiser mon cœur. Moi, mon cœur est apaisé. Les assurances ont mis 15 000 dollars dans ma poche. Où est mon cœur qui bat? La voiture de ma femme, elle est rêvée de sa voiture. Aujourd'hui, c'est dans ma main. Je dis, papa, c'est pas toi qui as fait qu'on a volé la voiture. Tu n'es pas responsable. Il a dit, il ne me reconnaissait pas. Il connaît mon petit Sancho là. Il s'est dit que, oh, ils ont volé la voiture de femme bêtée là dans ma main. Je suis foutu. J'ai dit que chérie, tu n'es pas responsable, c'est correct. J'ai dit que je faisais ces petits plats. J'ai dit, papa, arrête de te faire petit. Tu comprends? Tu comprends, chérie? Arrête, c'est comme ça. Voiture là. Voiture, ils ont volé là. Il y a 15 000 dollars qui est rentré. Pourquoi? Ben, j'ai pris. Je suis passé derrière lui. Ben, il a discuté. Il ne faut pas trop discuter. Ben, quand il discute là, lui, il se voit homme. Vous comprenez? Mais j'ai dit, quand il a compris, il a dit, chérie, tu dis quoi? J'ai dit, quand tu as dit, tu ne veux pas, je n'ai rien dit. J'ai rappelé le monsieur le lendemain quand on a fini la signature. Le monsieur m'a dit, madame, vous avez encore une semaine, donc vous êtes dans le temps. Donc, on m'a accordé. Non, vois-tu là. On a. Il a dit, ça, c'est pas ma chambre. Faut dresser son lit. Ça, c'est pas ma chambre. Ça, là, c'est un visiteur qui avait dormi là, puis je suis venu. Ça, c'est pas ma chambre. Il dit, faut dresser le lit. Il a dressé le lit, ça, c'est ma chambre, puis il a dressé. C'est pas ma chambre, faut laisser. Boris Begré, faut écouter ce qu'elle dit, c'est tout. Vous comprenez? Il n'en revenait pas. Il a dit, chérie, quoi? Il n'en revenait pas. Il a dit, chérie, le monsieur n'est parti, le monsieur a dit oui pour cette option que vous avez prise. Ta-ta-ta. Donc, on m'a donné ma voiture. Et 15 000 dollars. Ben, c'est le truc de la vie. Et si on peut vous expliquer. Dans la partie où on vous avait dit, c'est l'homme qui est intelligent. C'est l'homme qui est le roi suprême. C'est l'homme qui est le Dieu tout-puissant. Moi, je suis venu pour vous dire, prenez des réserves à ça. Quand il a dit, et puis toi, ça travaille ta tête. Pensez-vous passer derrière. La honte de ça. Vous comprenez la honte de ça. Et aujourd'hui, quand il parle, c'est quoi maintenant, il chante les chansons de mon village. Il connaît, il sait comment j'aimais ma voiture. Mais il a vu qu'il comprenait pourquoi il était. C'est quand on est rentré chez le concessionnaire. Le concessionnaire dit, madame Zozo, l'option que vous avez prise, ça vous a vraiment arrangé parce que il n'en revenait pas. Il est tombé des nues. Après qu'on est rentré, mais chérie. Vraiment, c'est pas toujours. Quand on arrive quelque part, il y a laissé aussi un peu, tu vas prendre un peu de vent. Mon père, il a vu que, le temps aussi, ça dit que tu t'es fortifié. Le Canada t'a rendu une femme forte. Père, je suis l'homme, il voulait me faire les Django, mais là, la chérie, il a échoué comme un bâtard. Ça, c'est lui, hein, vous le voyez quoi. Il dit, j'ai échoué comme un bâtard. J'ai mal échoué, mes chéris.
Donc, ce gars-là, on allait dépasser ça. Il dit, vous les voyez, leur, ça n'est pas compliqué. Quand tu es dans les normes, ils vont te donner. Papa, ils m'ont viré le chèque dans mon compte. De quoi on vient me parler? On va venir me parler de quoi? Donc, quand ils viennent, on dit, oh, c'est bien fait, ils ont volé sa voiture. Mais ils ont volé ma voiture, là. Tu connais ce qui était en bas? On va tout dire ici. Parce que le vol d'une voiture, ça ne fait pas plaisir. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donnez-moi le temps que j'ai fait sur mon direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup, partagez le direct. Ah, il ne pouvait pas imaginer ce qui était derrière ça. Il connaît la fille des aides, il connaît mon petit Sancho. Il a dit, oh, ma voiture, il rêvait de ça. J'avais voulu prendre mon assurance. Là, là, j'allais chanter dans son oreille, mais je n'ai pas chanté dans son oreille. Il n'a pas chanté. Lui, c'est qu'il me dit, ah, elle ouais. Quand t'as dit, il était plat quoi, dans la mer. Moi-même, je le soulevais un peu. Il dit, papa, arrête. Wendy, elle vient, maman, papa, tu sais qu'il se sent mal. Hein? J'ai dit, oui, il se sent mal, mais ce n'est pas de sa faute. Est-ce que c'est lui qui était. Il n'est pas responsable. C'est les voleurs qui sont venus voler la voiture. Attends, moi, mon pied était sur caillou. Mon pied était sur caillou. Où on vous a dit soumission. On t'a dit soumission, toi, tu n'as pas réfléchi. Hein? Le roi a dit que papa, il allait prendre l'assurance qu'il donnait, qui me couvrait. Il a dit que non, tu aimes trop dépenser. J'ai dit, mais papa, c'est 3 dollars. Il dit 3 dollars par 2 semaines. Tu sais combien ça fait? Comme le Django, le super roi. Il s'était donné la valeur. Moi aussi, j'ai dit, ok, attends. C'est pas dans tout, on fait pareil. C'est ça, je vous ai dit. Quand vous voyez qu'il monte le temps, tu laisses comme ça. Après, là, tu passes derrière lui. Je suis passé derrière lui. Moi aussi, il est blue bandé. Il est blue bandé, ben red. Comme dit les Québécois, ben red. Aujourd'hui, là, il marche, il est fier. C'est ça. Merci beaucoup pour les étoiles. 1 heure, c'est correct. Une heure. C'est pour ça. Je veux que les femmes réfléchissent aussi. Les femmes réfléchissons. Voilà. Toi-même, je sais que... Ma chambre n'est pas sale, maman. Bon, attends, je vais te bloquer. Ça, c'est pas ma chambre. Je sais pas... Je veux pas te bloquer. Parce que si tu te bloques, tu vois... Je sais pas ma chambre. Tu m'as vu être dans ma chambre. Ça, c'est la chambre où ma soeur est venue dormir. Ma soeur est venue pour le temps des fêtes. C'est pas ma chambre qui est là. Tu comprends? Bug Boris Begré. Je sais... Bon, je sais pas pour qui tu as parlé. Donc, je vais pas te bloquer. Ah, ok. Il parle à Amel Tongui. Ça, c'est pas ma chambre, oh, maman. Quand vous voyez rideau noir, c'est pas ma chambre. Ça, c'est la chambre des invités. J'ai dit, on va pas tout dire. Vous voulez qu'on vous dise tout souvent dans vos commentaires. Toi qui es venu commenter. En haut, il y a 3. En bas seulement, ça peut faire 4 chambres. Mon sous-sol peut faire 4 chambres. J'ai 4 fenêtres dans mon sous-sol. Vous voulez qu'on vous dise tout ça? Je suis en train de rire, vous venez m'énerver. Merci beaucoup. Non, c'est la chambre de ma soeur, elle s'est levée. Elle a fini, elle s'est levée. Je ne voulais pas donner le roi, je suis venu là. Merci beaucoup. 1h44. Oh là là, c'est beaucoup. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci pour les 250 étoiles. Voici pourquoi je vous ai dit. On a dit soumission. Il est devant le monsieur, il a fait semblant. Il voulait que vous, il lui donne la soumission devant le monsieur. Il a donné la soumission. 2 jours après, il a appelé le monsieur. Ça trottinait dans ma tête. Il a dit, mais on peut voler ma voiture. Un sous-là peut quitter. Il me cogne. Perte totale. Et puis moi, je sens indemne. Je gagne quoi? Rien. Il a dit, quand il a vu le chèque là, ses yeux sont sortis quoi? Il dit, chérie, donc c'est que le. Il a dit, oui, oui. Les hommes qui ont dit qu'ils sont plus intelligents que les femmes. Il dit, chérie, donc le monsieur. Il a dit, quand le monsieur m'a appelé, on a analysé votre dossier, tout et tout, on a vu que c'est un vol, c'est pas une question de marmaille, de tout ce que vous voulez. Finalement, on va vous virer votre chèque. Quand Québécois dit 15 000 piastres, il a fait quoi? Vous savez, j'ai pris une assurance de 3 dollars. De quoi on vient me parler? On vient me parler? Merci beaucoup. C'est pour ça qu'elle dit, ne vous liguez pas sur vos hommes. Discutez avec eux. Il a dit, ça t'a pas plu, tu laisses. Il y a la première impression. Tu laisses ça. Après, tu reviens.
Mais c'est quand ceci, ça dit que moi, je suis contre le fait que tu n'es pas d'accord, tu sais que c'est pas bon. Et puis tu dis, comme c'est mon mari, moi, je suis contre ce principe-là. L'affaire de comme c'est mon mari. C'est contre, moi, je suis contre ça. Hein? C'est ton mari, là, lui, il détient toute l'intelligence du monde. Non. Donc, vous expliquez l'exemple de la voiture où le roi a échoué. Il a échoué, là, là. Voilà. C'est pas grave, mon gars, c'est pas grave. Il n'y a plus bloqué, il n'y a plus fait quoi. Et puis après, une impact est venue me dit que je l'ai bloqué, ça m'a fait mal. Merci beaucoup, merci pour tout. Vous avez retenu, c'est ça. Voilà, voici ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Malgré que j'étais dans mes trucs, vous avez partagé le direct, partagez-le. Merci beaucoup. Vraiment, je vais vous laisser. Si ce prenez soin de vous. Ciao, ciao. Yeah.